Salut tout le monde, Black Mesa source le chapitre 10. Alors actuel mes amis, je viens de tourner le chapitre 9 et le chapitre 8. Je suis crevé, je sais pas encore comment je fais pour rejouer encore, j'ai envie d'arrêter là et rentrer chez moi. Je suis jamais chez moi mais donc, je vais faire le chapitre parce que il est dans les labos donc il va peut-être me consoler un petit peu mais là voilà. Là je suis crevé. Donc n'attendez pas de moi un commentary de qualité. La dernière fois on avait enfin rejoint les labos. Enfin. J'espère vraiment que tout le chapitre devrait normalement se passer dans les labos. Si tout se passe bien. Et c'est un chapitre vraiment très intéressant. Ah. Cette chose risque de poser problème. Hein. Semble. Voilà. Ah, j'aurais pu... Oh non, j'aurais pu choisir le feu, l'électricité ou le gaz. Ah bah, je recommence. Ah bah, je recommence, oui. Ah, merde. Merde. Ah, c'est. Je sais comment je vais faire. Voilà, tout simplement. Du coup, voilà, on arrive, enfin, on est là, questionable etiquette, voilà. Et du coup, on va faire les trois, parce que je suis sadique, surtout envers les aliens. Alors, électricité. Alors, le feu. Wouhi ! Burn, baby, burn ! Ok. Faisons l'électricité donc. Oh, il a disparu. Ok, donc l'électricité est très efficace contre ces bestioles. Visiblement. On va pouvoir partir. Hein. Ça c'était vraiment le... Ah non, il a pas disparu, il est mort. J'aime bien ces environnements. Les sims lambda. www.valvesoftware.com. Bien, ça fait un mini clin d'œil dans le jeu. Là, normalement, c'est le chapitre où on devrait débloquer des armes intéressantes. Pourquoi je dis intéressantes? Parce que... Je sais pas ce qui se passe là. Push to fire. Ok, je comprends pas. C'est juste que là il y a de la vie. C'est le plus intéressant. Voilà, il y a de la vie. Super. Je sais pas ce que ça balance. C'est des crabes de tête ou... Je sais pas, ça balance quelque chose mais je ne sais pas ce que c'est. Donc là en plus on est dans les zones de test d'équipement. Xeno, micro, laboratoire A. Ok. Oh, on a retrouvé l'arbalète. On va la garder près de nous, cette arbalète. Quelqu'un là-dedans? Oh, bonjour toi! Je vais pas te faire de mal, c'est dommage. Qui était décomposé ici, qui faisait des expériences. Visiblement, ils avaient déjà réussi, vous voyez, ils avaient déjà visiblement réussi à ramener des spécimens extraterrestres. Mais visiblement, là, à grande échelle comme ça, ils ont pas tenu. Vu les données qu'ils ont, ça doit faire même un moment quand même qu'ils étudient ça. À mon avis, Dorilise, c'est quoi ça? Push to fire. Ah! Vas-y. Sors. Allez hop! Burn, baby, burn! Burn, baby, burn! Burn, baby, burn!
Ceci, mes amis, est un système qu'on appelle un système de stérilisation. Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas ce système, tout simple. C'est les systèmes qu'utilisent les laboratoires bactériologiques quand il y a une contamination d'un virus dangereux. Ils diffusent un liquide ou un gaz inflammable et par le biais d'un système électrique comme ça, foutent une étincelle sur le gaz qui va littéralement foutre le feu à tout le laboratoire. Et qui va donc stériliser toute bactériologie car va les brûler tout simplement. Ah, ça va? Ça flex, ça va? Un coup de main? Attends, je vois un truc. Ouais, c'est sa mâchoire, ça, on est d'accord. C'est gore. Phony. C'est comme Colabola. C'est phony, Colabola. Alors attends, McLean, je connais pas, Vivian, Tar, Dale, Allen, Woody. C'est parce que c'est Woody Allen. Foreman, Lynch. Non? Woody Allen? Eh! Je peux pas. Je vais sûrement sortir... Oh. Je vais sûrement sortir derrière moi en mode screamer. Enfin, en mode jumpscare plutôt. Parce que oui, les trucs qui vous sautent à la figure dans les jeux, ce ne sont pas des screamers. Bordel de Dieu, ce n'est pas des screamers. Ce sont des jumpscares. Je préfère ma pute en mettre un. Je sais pas si je fais ma pute et j'y en mets un en fait là. Là vous avez la réponse maintenant. Dans le montage. Si c'est le cas, je suis désolé, je suis un enculé. Si c'est pas le cas, bah, vous avez raté un numéro ce qu'il y a. Faut voir, je suis... Bonjour! Ok. Yeah. Ok, alors, on peut pas y aller là-haut, c'est fermé. Il faut qu'on ait quelqu'un, un scientifique avec des accès scanner. Scanner optique. Donc du coup, il faut qu'on trouve quelqu'un avec ces accès-là. Ah, chargement. En plus, on va pas pouvoir aller loin, vu qu'on n'a pas justement les scanners optiques. Okay. Et donc là, lui, bah, on a un follower maintenant qui est pas armé. C'est pas gênant, tant qu'on n'a pas de militaire, je vais essayer de le tenir en vie, n'empêche. C'est jamais... S'il s'échappe... C'est jamais, écoutez. C'était possible, parce qu'on déboute tout. Mon dieu, je suis crevé. Ouah. En arrière. En arrière. En arrière. En arrière. En arrière. J'ai pas envie de me les faire maintenant. Eh oh. Eh oh. Ok, si tu veux. Si tu veux, reste là. Qu'est-ce qu'on a? Y'a pas grand chose à part des cadavres. Des bruits d'ordinateur. Ça rappelle une scène de Resident Evil, le film. Qui, je le rappelle encore, si je pense que j'ai déjà dit, mais je le rappelle encore. Ce n'est pas un mauvais film. Sortez-vous les doigts du cul et regardez ce que c'est un mauvais film. Genre Prometheus. Ça, c'est un mauvais film. Resident Evil, le premier film, est un bon film. Oh, j'ai cassé une télé. Je suis un vandale, les mecs. Je suis un vandale, je sais pas. Bon, bah, visiblement... Faut monter. Bah, écoutez, à l'arbalète, ce jeu... C'est faire à l'arbalète, c'est con. Oh la vache, je sais que je dis souvent, mais je suis... Ah... Swing. Et voilà, t'as un pistolet. Sors-toi les doigts du cul. Swing.
Swing, j'ai raté. La dernière mon dernier carreau. Je tombe à 17 fps quand je mets le zoom, c'est affligeant. Là en bas. Ok, la vie, des balles. Parfait. Reste là-haut. Ça, je vais pouvoir m'équiper en bas. Avec vos munitions, vous avez lâchement laissé... Je vais lui apprendre ce que c'est la vie. Bam! Je soupçonne qu'il y en a qui vont venir par là. Mais bon, je soupçonne peut-être un peu trop. Je suis peut-être un petit peu... comment dire... On dit déjà parano. Voilà, c'est un petit peu parano. Bien. Ah, pour charger du coup nos carreaux. Non, vraiment, ce design d'arbalète, il est sublime. J'ai une seule grenade. On n'a rien à passer. On a eu 3 militaires, donc... Ils ont pas trop posé de problème, mais quand même. Bon, ils ont abattu les... Oui, excuse-toi, oui. Tu me fais flipper, tu mériterais une balle dans la tête. Sachant que j'aurais pu t'en... Quasi une. C'est bon ça. Matos. Ça. Je vais pas te tuer, t'as une arme. Je peux mettre utile. Il y a encore des chargeurs. Ok, je sais pas du tout où on est. Ça n'inspire rien qu'il aille. J'oublie que sur YouTube il y a beaucoup moins de lumière. Et il est pas mort? Putain. C'est un fou, il était pas mort. Ah. Bon bah... On va foutre le feu. Stérilisation de la salle. Zbra. Ok, normalement j'ai stérilisé la salle. Il n'y a plus rien. Là, la porte va se rouvrir. Bah, normal, ils vont pas déverrouiller des verrous de sécurité comme ça. Non, il n'y a plus rien dans la salle, même plus les cadavres sont... Ah merde, encore un autre coup de téléphone, j'en ai marre ça. Allez, ellipse. Je songe vraiment à couper la ligne téléphonique quand je me mets à filmer maintenant. Parce qu'en fait, je fais mes vidéos quand je suis seul chez moi, pour éviter d'être dérangé par la famille. Et du coup, bah écoute, téléphone, je suis obligé d'y répondre, sinon ça marche pas. Et je me fais attaquer par un Gandalum. Gandalum ? Gandalum. Un autre Gandalum. Ok, on a attaqué. Il est où l'autre? Je l'ai vu. Ah, bien joué. Okay, une sortie par là. Ah, je pense... Ah non, en fait, je pense qu'il fallait d'abord descendre, les faire pop, et puis... Oh. Hop. Ah, bah whoop. Je hais les bah whoop. Après, les coups de téléphone, c'est les trucs que je vais le... Oh! Raccourci. Why not? Donc on a récupéré nos armes. Il manque que les mines, et on aura tout. Oh merde! Ok, d'accord. Ils font leur rond, donc je m'équipe de quelque chose. Pourquoi me débarrasser d'eux? Ok, alors on va attendre avant de stériliser la zone. Ouais, puis zut. Ah, fermé. Oh merde!
Ah, ça va être problématique, ça. Ça va être très beaucoup problématique, je me sens mal. Oh merde! Ok, prenons des balles. Dépêchons-nous, j'aime pas les zones avec de la fumée, ça fait lag mon PC, voilà, 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 on a plus tout, on se casse. Donc ça, ce sont des grognards, un peu comme dans Halo, ce sont des élites. Attends, attends. Putain. C'est bon? T'as appris ta leçon? C'est bon, tu as appris ta leçon? Ah, je me gratte le bras. Il est vivant? Il a dû mourir. Oh! Il y a des scientifiques là-bas. Et il y avait un scientifique ici. Qui est une machine folle. Tenter de rejoindre les scientifiques. Ah, ils ont dissé des Vortigons. N'approche pas! Hop! Il n'y a rien. Parfait, bon. On est obligé de passer sur la gauche. Non, c'est fermé. Ah bah t'es là! Je croyais que tu étais mort. Oh! Oh! Un écosystème! Ça doit être l'écosystème de leur planète à mon avis. Écoutez, on va... Désolé les mecs, mais on va être obligé... On va être obligé de mettre fin à votre... À votre... Oula. Votre belle existence de crabe de tête, c'est ça. Il faut que je trouve un truc à gaz. Visiblement, j'ai pas... Je peux pas... C'est bien sûr, me rappelle vachement les facehugger de Alien. Au revoir. Oui, je ne m'embarrasse plus de considérations si futiles que on va peut-être envisager d'économiser les munitions. Non, c'est boum. C'est un baoup égal boum, c'est tout. Merde! Je rappelle que j'ai un ordinateur portable et que j'ai un touchpad que je n'arrive pas à désactiver étonnamment. Qui s'active quand j'appuie dessus. Oh, j'aurais pu lui envoyer ça, ça aurait été drôle. Oh, c'est pas... Ah, c'est le faux ça. Bah t'es où? Eh hey, où toi? Ok, vas-y. Donne toi. Tu peux? Non, tu peux pas. T'es un boulet. On peut pas aller par là non plus. On va aller par là. On sait jamais qui c'est. De la vie. Et de l'armure. Ouais, on est à 100 armure. 100% de part. Pistolet. Pistolet et fusil à pompe. On est bon. On est bon. On est bon. D'accord. On va retourner au labo D. On a vu l'entrée. On est bien. On a tout à fond. Sauf le magnum. Mais ça c'est pas très très important. Je clique, crang, gling. La botte D donc. Qui est maintenant ouvert. Et on a un chargement. Un magnifique temps de chargement.